comment se passe l'écriture, en fait, le travail du scénariste. Parce qu'en fait, on l'a pas fait. Comment ça se passe, comment toi déjà mal. Comment toi t'écris dès qu'on attend d'avoir vraiment flingue sur la tempe et on s'y met. C'est vraiment, La procrastination, déjà. Je sais pas, est-ce que vous écrivez. Enfin, déjà, l'un balance l'idée générale. Avec Jacques. Ça se passe différemment avec chaque réalisateur. Par exemple avec Jacques, c'est d'abord il y a des réalisateurs qui écrivent peu et puis voilà, avec Jacques c'est vraiment à quatre mains, c'est-à-dire qu'on est vraiment on fait moitié, enfin je sais pas quoi, on est à peu près aussi impliqués l'un que l'autre là-dedans, et donc on se voit tous les jours, on parle un peu de la presse, de l'état du monde, et puis on s'y met, et puis voilà, et on avance, on fait d'abord on parle beaucoup, on passe d'abord beaucoup de temps à parler du film. Qu'est-ce que ça va être, le film? On a un peu une idée de l'histoire, mais les histoires, c'est facile à bouger. Donc, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une idée de ce que va être le film. Quel genre de film? Est-ce que c'est un film de 2h30? Est-ce que c'est un film très cher? Est-ce que c'est un film pas cher? Quel type d'émotion ça doit produire? Si on faisait un graphique comme ça avec en abscisse l'histoire du cinéma et les genres en ordonnée comme ça, où est-ce qu'on mettrait l'épingle, tu vois? Et donc on définit petit à petit ce que serait le film, quel genre d'émotion, comment est-ce qu'on peut en parler, quel genre. Puis on a comme ça une idée, comme un peu, on a une boîte dans laquelle on met des idées. Concrètement, vous êtes tous les deux dans un bureau et vous faites ça en discussion. Lui, il fume la pipe, ou de temps en temps, il me tape des cigarettes. Moi, je fume des cigarettes. Et puis voilà, on se voit le matin. Et donc, ça, c'est un long processus. Oui, on note, bien sûr. On note, on prend des notes, on écrit, voilà.